bonsoir à vous-même qui regardez la vidéo. Non pas monsieur ingénieur Jean-Baptiste Souvens, mais vers aujourd'hui pour nous capable présenter un sujet nous pour moi ça qui c'est vent, mer et les océans. En fait, pour moi ça, j'ai ensemble avec ingénieur Étienne Sandiastor, lui-même qui a présenté nous qui ça vent, énergie et éolienne et puis mécanisme éolienne puis érosion éolienne. Moi-même m'a présenté nous qui ça la mer qui différence qui gagne il a parlé de la mer, il a parlé de océan, énergie marine, mécanisme qui gagne en dans la mer et puis érosion marine. C'est tout ça que nous allons présenter. Suivez-nous avec attention. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonsoir avec tout le monde qui a suivi la vidéo. Merci ingénieur Woodbens. Je nous connais déjà, non pas moi, c'est Étienne Sandiastor, moi c'est ingénieur civil et moi c'est membre Génie Lacaille. C'est avec un pile plaisir, moi content ensemble avec vous aujourd'hui, pour expliquer nous un peu de phénomène que nous souvent observé, mais peut-être en pile dans nous par qu'on écoute les sorties qui c'est vent. Mon yo kon di yo senti vent vente fort, kon senti tempête tout ça, mais vent ça qui ça qui cause qui ça côté le sorti qui ça qui cause que nous sent gen sensation ça parce que nous pas ka toucher vent, nous pas ka voir vent, mais qui ça qui cause que nous gen sensation ça, qui ça qui fait vent, qui ça qui produit vent nous ne doit pas connait li et qui conséquence qui kon gagne tout les vent vente en pile. Donc ça va nous identifier quelques détails, mais nous avons plus de détails toujours ou même dans la vidéo. Ça. Donc, par définition, vent, c'est qui ça lie? Vent, c'est un mouvement qui gagne dans partie de l'atmosphère. Ça veut dire que ça mouvement, ça lie même, ça qui cause lui, c'est la différence de pression qui existe dans la surface terrestre. Nous connaîtrons bien que dans la surface terrestre, il y a tout pays, toute partie, pas gagné même quantité d'énergie, même quantité de chaleur qui dégage là-dedans. Même température. Par exemple, les gens qui sont proches de l'équateur, le pays a tendance à être chaud en pile. Il fait chaud en pile dans le pays. Mais pendant que le pays qui est pour lui, pour nous, ensemble avec le pôle sud, le pays a fait fret en pile. Donc, pour m'expliquer le phénomène de ça, bon, par exemple, tant que bon, nous habitués à faire manger, nous prenons une casserole qui a de l'eau dans nous mettons de l'eau sous diffé, nous venons sentir en bas, nous observons, nous regardons une série de petites bulles qui ont formé en bas. Et avec le temps, l'aide de l'eau salie même commence à chaud et pour l'eau vient à bouillir. Alors, c'est de l'eau à bouillir, son phénomène, c'est convection qui me met de l'eau à bouillir par convection. Alors, c'est ça qui est lié. Donc, qui ça commence à la produire? L'effet que l'eau fait mettre la casserole là, sous du feu, en bas la casserole lui-même, à cause des chaleurs, qui pile plus pour chaleur, il commence à chauffer. Donc, en laisse la casserole là, toujours été tiède, toujours été froide. Eh bien, différence de pression, ça fait venir un mouvement. On sait des bulles, des particules qui en bas, qui chauffent. Donc, les vignes légères, les montent à la surface. Et ça, à la surface, ça lui-même, les descend. Donc, c'est ça qui fait que vous venez sentir que l'eau lui-même la bouille. Et échange, ça fait jusqu'à ce que toute l'eau lui-même les vignes chaud. Eh bien, c'est même genre. Différence de pression, ça qui existe sur la surface terrestre. À côté, bon parti, qui lui fait chaud, bon parti, qui lui fait fret. Eh bien, ça fait que bon masse, bon parti, une masse d'air dans l'atmosphère, là, non pas dans l'atmosphère lui-même. Qui viennent en mouvement. Ça les sorti côté qui puis choix pour aller côté qui puis fret là et les déplacer, gagne une masse d'air qui sorti dans ça qui puis fret là pour venir dans ça qui puis choix et c'est même phénomène ça, c'est ça qui fait que ou viennent sentir vent. Donc c'est masse d'air ça ou même cap déplacer de un endroit qui choix avec un endroit qui fret et c'est ça qui fait que nous viennent gagner vent. Vent yo souvent classé selon ampleur dans l'espace là, selon vitesse vent, selon localisation géographique li. Et selon quantité force qui produit vent ça et ensuite selon effet que vent ça lui-même lui produit, c'est tout paramètre qui permet nous classer type de vent qui gagne. Contrairement ensemble avec tremblement de terre côté que nous enregistrer effet négatif seulement, vent lui-même n'est pas seulement gain effet négatif, il gain effet positif tout. Par exemple, vent lui-même lui permet de porter oxygène dans océan yo, dans lac qui dans montagne lui permet de lac ça mieux oxygéné. Vent permet que il y ait migration d'oiseaux. Ça veut dire que ça arrive là où il y a une espèce qui est dans une zone et puis elle est devant lui-même, il vient porter dans l'autre zone. Vent permet que bateau a voie lieu déplacer, surtout pour pêcheurs. Donc il y a bateau à moteur à la mode, mais avant c'était bateau à voile qui existait. Donc pour bateau ça a été déplacé, il faut que tu aies vent. Si même si tu as ouvert voile là,
si pas gen vent bateau toujours été en place si pas j'aime ka déplacer parce que c'est vent qui pour pousser voile là pour voile là faire bateau à déplacer sur la mer donc vent lui même est important dans ce sens ça vent lui même lui contribue tout dans reproduction quelques plantes par exemple si nous gagnons un kenep là quand moins gagnons mâle ou femelle eh bien femelle là pas ka reproduire sans mâle là mais comment ça fait puisque chacun en distance c'est les oiseaux les insectes les papillons surtout moi quand j'ai abeille tout posé dans ça qui mal là là posé dans ça qui femelle là il permet échange ça échange là mais si pas gagne oiseau si pas gagne papillon qui pour aller pour qui va permettre sa fête eh bien c'est vent lui même l'aile vanté gamet mal là il sorti dans partie mal là là tomber dans pas femelle là donc c'est ça qui fait gagne reproduction vent lui même il permet que gagne formation une série de nouvelles roches sédimentaires par exemple à force va vanter une série de matériaux une série de matières même qui dégrader les dégrader comme ça c'est vent qui porter matière organique ça yo à déposer en l'autre côté et avec le temps il a accumulé qui va donner naissance avec roches sédimentaires. Vent pas seulement gain avantage, il gain inconvénient. Par exemple, nous gagnons tempête de sable là, c'est là que vent lui-même, il frappe avec une grande vitesse dans un espace désert, côté que gain chargé en pile sable, et bien sable ça qui se particules fin sur grande vitesse vent, il qu'on côté sable ça yo aller dans une autre région. Ça qui arrive li porter le côté mon habité, laisse ça qu'on gain pile dégâts, gain monde qui qu'on mourir par asphyxie, côté mon ami même il pas ca respirer. Et gen moun tout pou gen pile dégâts matériels pou nan gen doit konwe kay moun nan couvri ensemble avec sable donc ça c'est on l'autre ça son inconvénient que vent lui même li gagne l'autre inconvénient nous connaît très bien nous connaît cyclone nous connaît que cyclone nan lui même li très néfaste pour la vie nous les gen cyclone c'est un pile dégâts qui gagne ensemble avec tornade et c'est un autre inconvénient encore tornade là c'est ça nous relé tout bouillon donc c'est ça c'est tout inconvénient ça que vent lui même li ka causer. Kounya nous va présenter qui ça la mer aye et qui ça océan aye. Bien entendu, on pas gagne trop gros différence parce que bien nous toujours connaît que la mer contrairement avec rivière ou fleuve et lac yo qui les même qui situé dans niveau niveau terre, c'est-à-dire que la mer lui-même li c'est donc grande étendue d'eau salée contrairement à rivière qui c'est d'eau douce. Li même qui c'est de l'eau salée qui regroupe en seul côté. Mais différence qui gagne avec océan, l'autre c'est océan ou vient paraître spécifique. Par exemple, tenant compte de chaque côté quantité d'eau ça situé ou est ou joindre capable dire mais qui tel type d'océan que joindre. Par exemple, nous gagne l'océan et Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan Indien. L'océan glace atlantique, l'océan glace atlantique, pour citer ça seulement. Mais qu'on y a, nous pouvons parler qui ça, qui mécanisme qui qu'on gagne en termes d'énergie dans la mer, c'est-à-dire énergie marine. Énergie marine dans lui-même, il fait premièrement en fonction même sous l'action du vent. C'est-à-dire même vent lui-même capable d'action sous la mer vient faire nous gagner phénomène ça nous relé houle côté que nous gagner un ensemble de cercle que les vents les mêmes l'absacager la mer et li vinn ba nous encore ce qu'on appelle les vagues encore mouvementées mais vagues mouvementées yo yon nan bagay que nous mêmes nous connaît bien qui capable c'est et résultat phénomène ça nous relé marée haute et marée basse là qui sont un autre mécanisme qui gagne dans la mer. Mécanisme ça lui-même, il fait en fonction de la position du soleil, de la terre et de la lune. Pour monde qui pas connaît ça bien par exemple, il doit gon zone côté li wè la mer a monté. Il dit ah, la mer a monté mais on peut remarquer que c'est li gen époque li. Mais pour joindre phénomène marée haute là, il faut que la lune avec et avec soleil là yo avec terre yo vinn sur un yo linéaire c'est-à-dire que pendant que la lune dans lui-même li gon force d'attraction que l'a fait sous océan yo et de même tout soleil là tout li gon force d'attraction lui-même que l'a fait sous la lune yo
force réaction, ça sont force d'attraction permanente, mais li amplifie lorsque yo de manière linéaire, c'est-à-dire que nous gagnons la lune qui nan mitan et puis soleil la lui-même qui derrière, ça veut dire que automatiquement que soleil la lui-même l'a attiré force d'attiré l'a attiré et l'amea et puis la lune dans tout l'a fait automatiquement il vient gagner deux forces il vient additionner qui font joindre phénomène marée haute là. Mais dans le cas contraire, lorsque par exemple yo sans c'est perpendiculaire ou bien que yo pas linéaire encore à ce moment-là on voit que ou s'observer et enregistrer ce qu'on appelle marée basse. L'autre mécanisme encore que nous gagnons dans la mer, nous joignent en fonction des plaques tectoniques. Pas oublier que nous gagnons ce qu'on appelle des volcans sous-marins, ça que nous t'apprenons pour nous sortir de parler dans une vidéo précédente quand nous t'apprenons parler de volcans. Nous gagnons lui-même qui capable produire gagner des vibrations, lui-même qui capable produire des séismes sous-marins. Séismes sous-marins ça yo, c'est eux-mêmes qui capable provoquer ce qu'on appelle des tsunamis. Parce que automatiquement que ou pas gagner des séismes sous-marins ou pas ka gagner phénomène tsunami. Et autre chose, nous gagnons ce qu'on appelle érosion marine. Érosion marine dans lui-même, il fait en fonction de attraction, même mouvement, mécanisme la mer avec côte là. Et yon nan bagay ki yo capable yo toujours enregistrer, yo enregistrer pour et yon nan phénomène qui cause et érosion marine yo, c'est lorsque nous gagnons trop vibration côté que nous gagnons des fortes vagues cap agir sur littoral là. Li capable faire ce qu'on appelle la disparition des plages. À force que qu'on y a là entraîné sabio qui sont dans le littoral là pour entraîner vers le fond de la mer et nous capable bien encore de l'amplification des falaises. Pas oublier que gain des côtés et lorsque les mêmes plages à lui-même vient disparaître qu'on y a là la mer mouvement la mer lui-même il peut fouiller littoral là dans fouiller littoral là il peut permettre que côte là lui-même il va détériorer de temps en temps parce que nous quoi et il y a plusieurs côtés surtout en Haïti que nous capable enregistrer ça du côté de Jacmel du côté en fait dans sud pays là il y a côté que nous remarquer que la mer des Antilles lui-même il est très mouvementé et automatiquement nous vinn gagner et des falaises que nous enregistrer sous côte yo. Autre chose tout nous toujours remarqué que la mer à lui-même et de manière il toujours gagner non seulement et il toujours gagner et les vents il toujours gagner et soleil là parce que il y en a bagaille tout pas bien que soleil là lui-même qui joue un rôle majeur dans la mer côté que lui-même il absorbe et une quantité d'énergie il fait la mer venir gagner ce qu'on appelle des zones de mer qui a température chaude qui a température froide et même différence de température ça yo ou après que lorsque nous parlons de l'énergie thermique ou capable capter énergie ça pour capable faire le produit courant et ou même faire énergie ça et utiliser comme ventilation parce que nous croyons ce phénomène ça dans un hôtel du côté de Cuba côté que par rapport avec et différence de température qui gagne dans la mer yo j'ai vu remarquer que dans zone tropicale yo côté que la mer elle même les plus ou moins chaude et la mer plus ou moins chaude et en profondeur yo remarqué que yo vu voir que il y a 4 degrés environ tellement que température elle même les basse et yo était obligé à puiser l'eau froide ça en profondeur pour être capable de produire ce qu'on appelle l'énergie thermique. Merci à vous-même qui prend temps pour regarder vidéo ça. Nous disons merci et nous souhaitons que nous espérons que vous êtes édifié. Alors pour te présenter au sujet ça pour moi ça c'était moi-même Sandra Star Etienne ingénieur civil et ingénieur Woodvince Jean-Baptiste. Nous avons parlé aux deux vent et de la mer tout. Alors nous souhaitons que vous appreniez en pile ensemble avec nous et pas oublier toujours suivre nous sous équipe sous page Facebook nous qui c'est équipe Haïti. Ou quand suivre nous tout sur YouTube ou quand taper équipe Haïti ou bien quand taper tout génie la caille ou après toute vidéo que nous habitué poster.
Alors nous disons merci pour tout temps ça a été accordé nous. Nous souhaitons retrouver au mois prochain. Et pour finir, ma site nous c'est www.genielacaille.com. Allez suivre nous, écrire, commenter, liker. Alors, n'après mois prochain, bye.